Salut, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Vlog du trailer en 2023, c'était ça. Comment partir en trail blanc après le ski en toute sécurité? Restez sur les pistes de l'Elysée. Déjà, ce sera plus simple de courir. Ce sera plus simple de vous retrouver en cas de problème. Mon dernier conseil, et je pense le plus important, c'est de prévenir vos proches. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Allez, vas-y. Ouais, on va tout là-haut. On va bouffer du caillou. Et voilà. Voilà, ça va du jour 4. J'ai le chic pour trouver des chemins qui n'existent plus. J'ai trouvé Fabien aujourd'hui. Pic des Trois Seigneurs. Et voilà, on y est. J'ai trouvé Ingrid, garota du trail. Youhou! Depuis ma zamée, l'ascension commence ici. Allez, on attaque les kilomètres les plus durs. C'est le moment de mouiller les pieds. Pas de passer dans l'eau, on passe dans la terre. Et voilà les trois fromages. Roc de Loire. Et voilà le fameux Perro Clavado. Voilà pourquoi je suis venu. Eh, hey, c'est déjà pas mal, non? Attendez de voir ce que réserve 2024. Commencez tranquillement l'année avec le Tara Murray Trail le 4 février.
32 km pour 750 D+. Dans la banlieue sud de Toulouse, pas loin de la maison. Après, le 10 mars, j'ai prévu le trail Cap des Créoutes à Rosas, le format marathon, 43 km pour 2100 D+. Donc dans le... au nord de l'Espagne, sur la côte, j'ai déjà fait un off. C'était super sympa. Après, le 6 avril, il y aura le défi des seigneurs. Donc en Alsace, je vais courir chez ma cousine. 80 km, 2900 D+. À découvrir un nouveau coin, les Vosges alsaciennes. Tout ça va m'amener à mon premier objectif de l'année, le Tarn Valley Trail, le 4 mai, qui descend toute la vallée du Tarn jusqu'à Millau. 153 km pour 5840 de D+. Le gros chantier. On va aller titiller les sandrails. Bon, la suite de la saison est beaucoup plus floue. Genre, je sais pas ce que je vais faire. Juillet, pendant mes vacances, je serai normalement aux Arcs. Ce sera l'occasion d'essayer un parcours qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Le tour du Mont Pourri. On a prévu un petit trek en famille et dormir en refuge. Super sympa. Pour le second objectif, on va attendre le résultat de la loterie des Running Stones. Donc si je suis pris, on fera le tour du gros caillou. Sinon, j'irai en chasser d'autres. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner pour rien rater de tout ça.